Et salut YouTube, bienvenue pour la suite de nos aventures sur Blasphemous, le blasphémateur. Nous avons défoncé du boss la dernière fois et on aimerait bien continuer nos aventures, notre périple vers le toit de l'archicathédrale puisqu'on a trouvé visiblement ce qu'il fallait pour tout ouvrir. Mais avant, nous allons finir d'explorer la mer des mers où nous sommes. Hop, un petit chérubin de libéré. Oui, si tu commences à faire des parades, c'est bien aussi. Alors, on a oublié de changer notre équipement, tiens. Il y a José le Maccabée. J'ai assisté à l'exhumation de l'archevêque. J'ai vu comment ils ont baigné les os dans le vin pour le vêtir ensuite de soie et d'or. Je les ai vus parer son visage des plus beaux joyaux et embrasser son front. Je les ai regardés lui enfiler des bagues aux doigts et embrasser ses mains. On l'a remis sur ses pieds, on a scandé son nom, puis on l'a fait déambuler comme s'il marchait à nouveau de lui-même. On croirait les anciens dirigeants de l'URSS. Non, non, on vous assure, il est vivant. Il fait juste semblant d'être mort. On va aller vers l'est. Parce que si je me rappelle bien, voilà, nous avions cette espèce de grand truc. Il y avait tendance à nous one shot. Merde. On avait bon jusque là. Ah, ça nous one-shot pas, mais ça me fait quand même très très bobo. J'ai la manette qui vibre pour dire un sextoy. Je suis sûr que vous êtes heureux de cette précision. Ok, ça nous tue. Très bien. Pourquoi pas? Why not? Ça aurait pu simplement nous ramener à la pièce d'avance, aller aussi. Hein, mais... ok, là-bas. De toute façon, il n'y a pas vraiment de point plus proche. Tiens, il y a une salle qu'on n'a pas explorée ici. On va aller voir ça. C'était où? C'était la suivante. Ici. Ah. Je crois qu'on a trouvé le donjon Sadomaso. Oh, behold, gracious lady, a visitor. Oh, please forgive me, penitent one, you stand in the presence of Socorro, our pious lady of the perpetual agony. Isn't she majestic? She's a miracle in herself. Elle doit en avoir un peu marre, non? Faire une offrande. Marque du premier refuge, oui. A tear has rolled off her cheek. Could it be that her torment has diminished? Ah, poor lady. Je pense que si on lui donne les marques du refuge qu'on pourrait trouver, on devrait pouvoir l'aider. Je pense. Peut-être. Ah non, mais là, la hitbox, non, y'a pas moyen qu'il me touche là. Mais sérieusement, deux fois!
C'est exactement ce que je voulais faire. Trapèze de Jérémia le bourreau. Et on ramasse les morceaux de tout le monde, hein. Jérémia Schweiger pendit des milliers de prisonniers sur plusieurs décennies. Certaines de son œuvre étaient sacrées. Lorsque le doute envahit son esprit, le remords l'emportant. L'emporta, pardon. C'est plus lire. Broyer. Là-bas. Alors, messieurs, bonjour. Prendre une popo. Ah, j'étais dans la trajectoire visiblement. J'étais beaucoup trop dans la trajectoire. Oh là là, j'ai entendu ça de Mazo. Oui, exactement. Je vois que tu as l'oreille attentive quand il s'agit de choses qui t'intéressent. Tu as raté Notre-Dame du Sadomaso. Qui avait pas forcément l'air de bien se porter. J'ai mis ma cagoule. Y'a pas de passage ici, évidemment, c'est une gueule. L'arnaque cette histoire. Ouf, c'était tendu. Alors, on va attendre que le chandelier refait un tour, sinon on va se le prendre, on va crever. Comme ça un peu. Oh. Tout va bien. Ça fait que 67 fois que vous avez vu, l'écran de Game Over. Ça pourrait être pire. Pensez à Ori. Trop tôt, beaucoup trop tôt. On va attendre un cycle. Bon.
Tout ça pour ça? Pour un cœur de... Mais cool pas? Cœur fumant dansant, il a été vachement bien. Augmente la puissance et la durée des prières, mais augmente aussi leur coût d'une barre de ferveur. Ouais, non, en fait, c'est de la merde. Très bien, on va redescendre et on va accéder à l'échelle qui nous permet de remonter là. Ok. Hop. Maintenant qu'on a le deuxième masque de Raoul l'affreux, on va pouvoir déclencher l'ascenseur. Il me semble qu'il y a bien un ascenseur. Sinon à droite il y a des trucs que je n'ai pas encore été voir. C'est pas toujours une précision extrême malheureusement au niveau des hitbox, j'ai l'impression. Sur les chandeliers par exemple, c'était un petit peu relou. Ou alors c'est moi qui suis purement de mauvaise foi, ce qui serait quand même étonnant parce que c'est pas le genre de la maison. Ça va certainement pour plus tard. C'était hasardeux, mais bon, ça passe. On a toujours pas trouvé ce qui permet de faire pousser cette espèce de ronce. Il y a une porte au-dessus que j'ai pas vue. Hop là. Là, je t'ignore, je te méprise, je te parle même beau. Ok, deuxième masque. Le masque difforme d'Oreste. Mais... Ah. Ok, donc je pense que là on doit pouvoir monter encore d'un niveau, c'est ça? Non, ça c'est pour descendre, très bien, et l'autre c'est pour monter. Okidoki. A-t-on compris? C'est par la gauche. Hein. Ça sert à rien pour l'instant. Le truc il me tape à 2 mètres de haut au-dessus de moi, mais c'est pas grave, ça me touche quand même. Chérubin. Des saloperies volantes et surtout il y a des piques.
applique nos mortels ennemis au sens propre. Alors, c'est morceau de qui cette fois? Code de Sapnok le gardien. Sapnok, gardien et porteur du sceau du Sinueux, était membre de la Légion Oint. Il protégea férocement les portes de la ville, même lorsque leur chaos éclata. Un mec dévoué. Ok. Est-ce que ça nous mène quelque part d'aller là-bas? Oui, un endroit qu'on avait déjà exploré. Il y a de multiples opportunités de décès. Qu'est-ce que je disais? J'achète une manette de PlayStation aussi. Alors, je ne blâme pas la manette hein, pour mon incapacité à faire un jeu de plateforme sans crever comme un teubé. Mais je trouve que la manette d'Xbox est pas terrible pour les jeux de plateforme. Le D-pad n'est pas super bien placé. Autant le stick analogique est parfait. Y a pas photo. Autant le D-pad est pas top pour les jeux de plateforme. On n'est pas allé voir à droite, tu vois, il y a peut-être un... Ouais. T'as fini de me presser dans le coin. Marque du second refuge, je vais pouvoir filer à Josette. C'est bien. Ok, donc il y a cette grille qu'on a ouverte tout à l'heure.
c'est pas par là. On va essayer de reprendre ce petit ascenseur tout pour Axe. Décidément, on change pas mal de dizaines dans cette partie. On va descendre, on va aller vers l'autre qui se faisait torturer la tronche. Avec un peu de chance, elle aura un truc à nous filer. Pas grave ça. Marque du second refus. Vous n'avez aucune forme disponible, très bien. Ok, bon, il doit y avoir d'autres marques à récupérer du coup. Pour aider la bougresse. Putain, mais c'est Hitbox, hein, c'est chiant. Toi, tu couches tout de suite. Le petit dash, il fait bien plaisir quand même, hein, au niveau d'attaque. Mais putain, ça fait deux fois que je fais ça. C'est incroyable, ça. Allez, pardon. Alors, bon, qu'on ait perdu une vie à gauche, une vie à droite. On choisit. À droite, il y a visiblement un truc tout au bout du passage. Plus le point de sauvegarde n'est pas tout à fait à côté, donc un petit peu relou le temps de l'atteindre. Quel sens du timing incroyable!
peux pas attaquer vers le haut avec ça. De racines montantes qu'on n'a pas. Bordel. Je suis le calme et la sérénité. Le pénitent est humble, il ne pète pas un câble pour rien. Je pense que c'était nécessaire parce que sinon on ne pourra pas avancer. Donc on va pouvoir repasser à gauche. Donc on est sur une structure de niveau plutôt verticale où à chaque fois on va devoir rouvrir des portes pour avancer et aller plus haut. Aller plus haut! Du coup, je sens que ça va être relou. Ok, donc c'est plus bas. On avait un truc relou à détruire. Pas plus proche, pas vraiment. Déjà, j'ai pas oublié d'appeler l'ascenseur. Y a du mieux. On progresse. Il suffit juste de baisser notre niveau d'exigence suffisamment. On va redorder ce passage. Est-ce qu'on doit récupérer vraiment notre... On veut récupérer vraiment notre ferveur. Je vais tenter de dire que oui, parce qu'on a quand même pris assez cher.
l'ascenseur si je continue droit, j'ai un accès à une autre telle de sauvegarde, mais je suis pas sûr d'y gagner beaucoup au change. Sinon ce qu'on peut faire c'est s'en foutre de la vie qu'on a perdue et puis tenter d'avancer tant bien que mal. C'est de la ferveur qu'on a perdue, pardon. Parce que là on est en train de se compliquer la vie pour rien. Je pense. Sinon pire on se trouvera un hôtel. Même pas la peine. Ok, ça passe à travers les murs. Maintenant, pourquoi pas? Je dis pourquoi pas. Le côté positif, ça peut nous permettre de récupérer notre ferveur qui est juste là. Ok, bon bah hop. Toi, adios muchachos. Histoire de pique qui tourne une fois quand même, c'est ultra punitif. Hein. Alors autant ça a une certaine logique, j'avoue. Mais quand on est un petit peu maladroit et un petit peu impatient comme moi, c'est ultra punitif. Mur des saintes prohibitions, c'est joli ça. Voici l'arbre de métal érigé pour garder le pont. Cet arbre avec son écorce érodée est le symbole de la dernière communion de sa sainteté avec le miracle. Face à ce crépuscule éternel, j'attendrai jusqu'à partir de l'autre côté du rêve. Ok. Point de sauvegarde peut-être? Je ferais bien. Non, c'est pas un point de sauvegarde. Un gros de moins. Et deux.
les décors, ils sont beaux. Ils sont beaux, ils sont beaux, ils sont beaux. Pour regresser parce qu'il faut kill le scribe. Ah, j'ai une clé de l'inquisiteur, ça peut peut-être servir. Touchez vous deux. Clé du séculier. Oh, c'est la Castlevania, on peut casser des lumières. Ça nous permet de récupérer de la vie, c'est la fête. Quel séculier. Quel séculier. Ça sent l'espèce de labyrinthe de clés qui va être bien relou aussi. Monter et descendre, pire que la douleur, pire que le froid, il y a le grincement. Le grincement assez dansant de ce maudit sol aux mécaniques rouillées. Pourquoi voudrait-on l'emprunter autant? Ouais, on a la clé pour celui-ci. Oh, le piège à con! Cubitus de Coq, le troubadour. Les inquisiteurs haïssaient la musique car elle suscitait l'euphorie. Coq trouvait légitime de dédier une satire musicale à ses presbytes en public. Son exécution précéda l'interdiction totale de la musique. Est-ce que ça serait pas un peu bien fait pour sa gueule en même temps? On lui avait dit de pas faire de musique. Clé du séculier. Très bien, ça va nous ouvrir pas mal de portes dans le coin. On va re-sauvegarder en haut. Et on a toute la partie est à explorer là-bas, enfin les parties supérieures ici à explorer. Je pense que c'est ce qu'on va faire tout de suite. Retour par là. Ouais. On va faire une pause d'épique. On va plutôt explorer par là. Alors la clé du séculier qui devrait pas mal nous servir, je pense. Bartotin. Les tarés de leur tête, ils ont tendance à me foncer dessus un petit peu comme ça. Celle-là. Est-ce qu'on a été voir les deux autres, les portes en bas? Celle-là, oui. Et l'inquisiteur, oh là, ça tombe bien. Coffre. Flacon de bilvine. Bon, bon, écoutez, ça se prend. J'espère quand même qu'il n'y ait pas que ça parce que la clé est écoutée.
un testicule. Hop là, pied du séculier, je t'évite. Relou les mecs à faire des ailes, à foncer comme ça. Hop, trop tard. L'espèce de minotaure a pas l'air commode. Bonsoir. On va déjà voir ce qui se passe là-bas. Et les scripts qu'on n'a pas encore. Là, c'est ça, on peut toujours appeler. Oula, il y a du peuple. Il y avait longtemps qu'on s'était pas fait une petite exécution. Phalange de William le Sceptique. William Graff œuvra toute sa vie à démasquer les charlatans et les faux évangélistes. Il douta même de la sainteté de certains membres de l'église custodienne. On ne lui pardonna pas cette hérésie. Ionus. Ce petit tremblement était dû à la volonté de forcer la vue vers le bas, ce qui le jeu n'a pas trop apprécié. On va espérer trouver la clé du scribe en haut qui devrait nous ouvrir pas mal de portes au sens propre. On va pouvoir faire ça comme ça. Hop là. Et le séculier, celle-ci on peut. Prochain. J'ai du scribe. J'ai du scribe. Donc ça sent le labyrinthe de porte, en effet, un peu relou. Hop là. Et c'est le... C'est le soft lock, bravo, bravo le veau. Eh ben, écoutez, je crois que j'en ai eu assez pour aujourd'hui. Du coup, YouTube, je te dis à la prochaine. N'hésite pas à faire ce que tu fais habituellement avec tes vidéos. Si tu aimes les bugs, laisse des pouces, tout ça. Et puis, ben, Twitch, à la prochaine. Salut, des bisous.